Everybody praise the Lord. Gloire à Dieu. Rise up as we pray together. Heavenly Father, we thank you and bless your name for the retreat of this year. Thank you for keeping your people alive to see such a day like this. We thank you, Lord, because you prepared so much for us. And your people are going to receive abundant blessings at this December retreat in Jesus' name. We pray, Lord, that you open every heart to your word. Open every life to your blessing. So that, Lord, every word will do us good in Jesus' name. As we are concentrating on readiness for Christ's return, we are praying, O Lord, you prepare every one of us. Get us ready. We pray, Lord, that none of us will miss that glorious and blessed day in Jesus' name. And we pray, Lord, that all the grace we need, all the strength we need, all the power and the blessings we need to carry us through until that final glorious day you give to every one of your children. Bless us, Lord, and make us channels of blessings for all the people. We thank you because we know you have answered. In Jesus' name we pray. I welcome every one of you to this December retreat in Jesus' name. As you know, a lot of preparation has gone into preparing for this retreat. In your personal life, I'm sure you are prepared. And in your zones and districts and everywhere we've come from, you've had the announcement, you have had the publicity, and you know that we're expecting great and wonderful things from the Lord. And I pray that none of us will be disappointed in Jesus' name. We thank you for coming and appreciate the fact that you are here. But now you must make the best use of being here and all the locations where we are, and we're having this retreat together. I pray that God himself will open the heavens upon us and shower abundant blessings, innumerable, unlimited, upon every one of our lives in Jesus' name. In the children camp, in the youth camp, in the campus camp, and also in the adult camp, I pray that none of us will be careless and none of us will miss what the Lord has prepared for us. As the leading message for this retreat, since we're talking about readiness for Christ's coming, we're looking at the word of God on the certainty of his coming. He did promise that he'll be coming, the prophecy of his coming, and then what we need to do, how to get ourselves ready by the grace of God and in the strength of the Lord. We're looking at the message, constant readiness for Christ's return. Constant readiness for Christ's return. To start with, you want to understand. You want to be very sure that the word of God has given us this revelation that Christ is coming. If you look at Acts of the Apostles chapter 1, reading there from verse 9. This is when Christ went up to heaven from the mount, and the disciples saw him, and then angels appeared, and these angels declared that this same Christ is coming again. Acts chapter 1 verse 9. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him. Leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, c'est là où il était allé, donc et c'est ce qu'il a promis faire. Il dit, j'irai et préparer une place pour vous. Il est allé au ciel pour vous préparer une place pour son peuple. Et il regardait au ciel constamment. Et voyez, on nous dit, et une nuée le déroba de leur, à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut. Ça, c'est des anges. Il dit,
que Christ reviendra au verset 11 et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, celui qui est mort pour nous, celui qui nous a sauvés, la tête de l'Église, et celui qui a promis revenir encore, il est allé au ciel. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, les anges n'ont pas donné de doute de là où Christ est allé. Il est allé au ciel. Il a donné l'assurance. Voyez, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il a répété cela encore. Il est allé au ciel. Il reviendra. Il y a une certitude. Il y a une assurance que Christ reviendra. Apocalypse chapitre 1er. Lisons au verset 7. Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Qui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il vient, il revient. L'assurance est là. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 25. Qui nous dit au verset 25 ce que nous devons faire? Comment nous apprêter? Comment nous préparer? Parce que Christ revient au verset 25. Seulement, ce que vous avez, tu es né de nouveau, tu as quelque chose. Tu es sauvé, tu as quelque chose. Tu es sanctifié, tu as quelque chose. Tu as la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, tu as quelque chose. Tu as la parole de Dieu, tu as quelque chose. Il dit, ce que vous avez déjà, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. On a de l'assurance là qu'il va revenir. Chapitre 3, verset 11, il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt, très bientôt. Le retour imminent de Christ, l'imminence de son retour. La certitude de son retour. Il dit, voici, je reviens bientôt. Pensez à cela un moment. Que je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il nous dit dans chapitre 16, verset 15. Nous voyons Apocalypse chapitre 16. Afin que vous soyez assurés dans votre cœur que Christ reviendra bientôt. Et quand vous avez l'assurance dans votre cœur, la conviction dans votre cœur que Christ reviendra, vous allez voir la nécessité de vous préparer pour ce retour de Christ. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Il dit, et voici, je viens comme un voleur. Cela veut dire quoi? Il viendra soudainement. Cela veut dire qu'il reviendra soudainement, de façon surprenante, lorsque les gens dorment dans la nuit. Cela veut dire qu'il reviendra sans aucune annonce. Il dit, je viens bientôt comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Si un croyant, si tu es croyant en la Bible, tu comprends la parole de Dieu, il n'y aura pas de doute dans ton cœur de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à propos de son retour. Il nous a dit dans ce dernier chapitre, chapitre 22, lisons au verset 12, chapitre 22, verset 12, voici, je viens bientôt. Où est-ce là combien de fois le Seigneur a donné l'assurance qu'il reviendra? Et il reviendra très très bientôt. Il dit, c'est imminent. Il a utilisé le mot bientôt, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Selon ce qu'est son œuvre. Au verset 20, il dit, comme nous fermons le Nouveau Testament, dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, sans doute, au ciel, sans doute, dans le cœur des croyants. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Il vient. Et pendant qu'il était encore ici, bas sur la terre, il a mis la sang à ses disciples, sur cela, à ses disciples. Il a mis la sang à tous ceux qui croyaient en lui, et qu'il va revenir. Et il dit, il revient, ce retour doit être, il doit avoir une préparation pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le connaissent, et pour ceux qui veulent vraiment être participants des messages de Dieu, quand il reviendra. Nous devons donc nous préparer, et nous donne d'illustrations, nous disant, ce qui était arrivé, quand quelque chose
un grand événement fut annoncé, prophétisé. Avant même que cela ait eu lieu, il y avait des gens qui n'étaient pas prêts, il y avait des gens qui n'étaient pas préparés. Et à cause de cela, il nous a rappelé que si, ça c'est un événement historique dans la Bible, que Christ reviendra et nous devons nous préparer. La préparation constante, c'est pas que nous savons, maintenant que nous savons que le Seigneur revient, nous devons nous préparer et avoir cette préparation consistante chaque jour, espérant le retour du Seigneur, sachant que c'est peut-être ce jour que la tempête peut sonner. Ça peut être aujourd'hui que les morts en Christ ressusciteront. Ça peut être ce jour que les saints seront enlevés de cette terre. Et à cause de ce que ça ne va pas, quand est-ce qu'il reviendra? C'est pour cette raison que vous devez vous préparer chaque fois. Et être prêt toujours, chaque jour, et à chaque moment de votre vie. Matthieu 24. Voici là où Jésus nous a rappelé de l'événement du passé qui fut annoncé avant que cela n'ait lieu. Et les gens, plusieurs de ces gens n'étaient pas prêts. Ils étaient surpris quand cela a eu lieu. Matthieu 24, je vous lis au verset 34. Matthieu 24, verset 34. Et je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Vous comprenez cela? Christ a parlé de plusieurs choses qui ont lieu. Ce qui aura lieu ce qui va se passer dans la nation, dans des différents royaumes, ce qui va se passer même dans le temps, ce qui va même se passer dans le temps, sur la terre, partout. Il dit, quand vous voyez toutes ces choses arriver, il y a plusieurs choses déjà qui se produisent à notre temps. Vous comprenez le temps est proche. Il dit que toutes ces choses vont vous montrer que ce retour est imminent. Verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il nous dit ici que c'est inutile et même inutile. Et non profitable de dire, oh, il va venir à ce jour précis, à ce temps, ce mois précis. Il nous a dit de nous préparer. Il va revenir à un temps que vous n'espérez même pas. Ce jour, cette heure, ce temps, ce moment, personne ne connaît, ni le Père seul qui est dans les cieux. Verset 37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Noé avait annoncé, parce que Dieu lui avait dit qu'un grand événement aura lieu, prendra place, et le jugement viendra sur la terre, et que seuls ceux qui sont prêts, ceux qui sont préparés seulement avec lui, ceux qui sont préparés vont échapper à ce jugement. L'annonce a été fait au monde. Il avait annoncé cela à ceux qui étaient autour de lui. Mais plusieurs n'ont pas pris lieu, n'ont pas pris, n'ont pas dit cela. Jésus a dit, comme vous nous viendrez de l'ouest. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, au verset 38, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour, il n'y avait rien de mauvais à manger, rien de mauvais à boire, mais c'était leur préoccupation. C'était la totalité de leur cœur, de leur vie. Ils vivaient pour le repas, vivaient pour les choses physiques, vivaient pour les choses terrestres. Et Jésus dit, comme cela c'était, voyez, se mariaient et mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé, il y avait le plaisir partout. Ils étaient, ils se mariaient et mariaient les enfants. C'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient très comme cela. Ils se préoccupaient. Et ils ne pouvaient pas que les enfants de
Voyez comment prêts sommes-nous, comment préparés sommes-nous pour le retour du Seigneur, pour le jeune et pour le vieux. Il ne vient pas seulement pour nous, un groupe, il vient pour tout le monde. Verset 44 dit, c'est pourquoi, ce qui veut dire quoi? C'est à cause de tout ce que je vous ai dit auparavant, et à cause de ce qui va arriver, et à cause du danger de ne pas être prêt et du danger de la pression qui viendra sur ceux-là, ce n'est pas prêt. Et c'est pourquoi je vous dis, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure. Ouais, je ne pense pas que c'est aujourd'hui, je ne crois pas que c'est à ce moment. Je pense que tel que les choses avancent, c'est, peut avoir certaines raisons en vous. Quand vous pensez que cela ne peut pas arriver maintenant, ça peut ne pas être en ce moment, cette période. C'est pourquoi il dit en ce verset 44, il dit, viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il nous appelle à la vigilance. Marc chapitre 13. Dans Marc chapitre 13, lisons le verset 28. Ici nous trouvons que Marc, par inspiration, nous dit la même chose. Mais c'est la voix, il a considéré autre perspective. Verset 28 de Marc chapitre 13. Verset 28 de Marc chapitre 13. Qui dit ceci: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Le Seigneur donnait l'explication, l'illustration à ceux qui étaient des auditeurs immédiats, congrégation immédiate. Ils étaient avec lui, le Seigneur. Ils savaient que la saison peut être prédire ce qui est arrivé. Et il leur dit, si vous voyez que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez par expérience, vous connaissez par observation, vous connaissez par tout ce qui arrive que l'été est proche, dit. Donc, de même, quand vous verrez ces choses arriver, c'est tous les événements dont il a parlé concernant l'Église, concernant la religion, concernant les nations, concernant tous les événements qu'ils ont vu de passer concernant tous les tremblements de terre, concernant les déluges. C'est quand vous voyez tout cela arriver, vous sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et vous voyez tout ce qui se passe autour de vous, vous saurez que le retour du Seigneur est très proche. Il dit au verset 30, je vous le dis en vérité, cette génération, la génération qui a vu toutes ces choses se produire, toutes ces choses, ces événements se produire, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il nous dit qu'il y a des gens qui vont penser que peut-être que Dieu a changé son plan, Dieu a changé sa pensée, que cela a pris assez de temps, selon leur propre estimation ou évaluation, ou quel que soit le long, ils pensent que peut-être que cela ne va plus arriver. Mais il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel,
ni le Fils, mais le Père seul. Oui. Il sait qu'il revient, mais il ne connaît pas le temps. Il ne connaît pas la date. Il sait qu'il reviendra. Mais le Père a réservé cela pour lui seul. Et il connaît quand exactement. C'est pourquoi le Seigneur dit au verset 33. Parce que c'est un jour vous ne connaissez pas. Un temps vous ne connaissez pas. Une heure vous ne connaissez pas. Vous savez qu'il revient très bientôt, de façon imminente. Il reviendra à tout moment, dès maintenant même. Vous ne savez même pas le temps exact. Verset 35, 33 dit, prenez garde, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Et il en sera, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, allant vers le ciel, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, il laisse sa maison, laisse l'église, il va au ciel, il donne l'autorité, le devoir, la responsabilité à ses serviteurs, les apôtres, les prédicateurs, les membres de sa maison, les membres de l'église, et à chacun, il nous donne quelque chose à faire. Il dit qu'à chacun sa tâche, comme nous attendons son retour. Et il ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ouais, quand il vient vous trouver dormi, et il vient soudainement, donc verset 35, craignez qu'il ne vous trouve endormi. C'est ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ce qu'il a dit aux apôtres, aux disciples avant, en son temps, l'écoutant directement, il nous dit encore aujourd'hui. Et il dit, veillez. Il dit, préparez-vous. Il dit, préparez-vous, apprêtez-vous. Regardez votre vie. Et regardez là où vous êtes spirituellement. Et voyez ce que la Bible a dit. Et voyez la qualification qu'il espère. Les conditions spirituelles qu'il espère dans votre vie. Et vous veillez et vous prenez garde et vous prenez soin. Que déjà que vous rassurez que vous êtes prêt pour son retour. Vous le faites de façon consistante. Vous le faites chaque fois. Vous espérez Christ dans vous amener chaque fois. Et vous vérifiez si vous êtes prêt. Et si il vient à tout moment que vous n'êtes pas prêt, s'il y a quelque chose qui vous dit que vous n'êtes pas prêt, vous rassurez que vous rangez vos colis encore, vous réajustez votre vie et vous voyez le Seigneur, vous cherchez la face du Seigneur afin d'être prêt. Je prie que le Seigneur nous donne cet esprit alerté, préparé, demeurant prêt chaque fois au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Il va nous apprêter au nom de Jésus. La préparation constante pour le retour de Christ. Trois choses nous allons considérer ce soir avant de prier. Numéro un, le monde et son peuple avant le retour de Christ. Qu'est-ce que le monde, à quoi le monde ressemble? À quoi le monde autour de vous? La communauté autour de vous? Les voisins autour de vous? À quoi ressemble-t-ils? À quoi ressemble-t-ils? Juste avant le retour du Seigneur, le monde et son peuple, avant le retour de Christ. Numéro 2, la vigilance et la préparation pour le retour de Christ. Il nous dit qu'il reviendra. Et parce qu'il reviendra, à cause de ce retour, nous devons veiller et nous préparer, nous faire quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui pensent, puisqu'il revient, qu'il revienne. Bon, je ne suis pas ainsi. Si vous voulez bénéficier de ce retour, si vous voulez profiter de ce retour et recevoir la bénédiction de ce retour, et s'il va vous enlever au ciel, comme il reviendra, il doit avoir une préparation que vous devez faire. La vigilance et la préparation pour le retour de Christ. Numéro 3, les merveilles
de la préparation. Pour ceux qui sont prêts, les merveilles de la préparation de l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Quand il revient, il va enlever l'église et il enlève les saints, les merveilles, les bénédictions qui seront les nôtres. Numéro 1, le monde et son peuple avant le retour de Christ. Nous allons revenir dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, je vous lis au verset 36. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il nous dit maintenant dans la condition, nous montre la condition du monde. Et le temps de Noé, au temps de Noé, il a comparé cela au temps de son retour. Et il dit, comme étaient ces jours de Noé, ce qu'ils faisaient, l'état spirituel dans lequel ils étaient, il dit, ainsi sera-t-il au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Il donne les détails au verset 38. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Ce à quoi ils pouvaient penser, c'est quoi manger, qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux porter, quel emploi ferai-je. Et quand vous pensez au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la préoccupation. Nous allons à l'école, il n'y a rien de mauvais à ça, mais plusieurs personnes n'ont pas de choses à faire. Avoir l'éducation, avoir un emploi, bâtir une maison, avoir une voiture, avoir un foyer, c'est tout ce qu'ils recherchent. Mais il y a d'autres, il y en a même qui s'associent à la foi chrétienne et ils vont dans une église ou à l'autre. Et mais tout ce qui est leur préoccupation, leur prière, leur désir de leur cœur, ce qu'ils demandent à Dieu chaque fois, cela se limite à ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont, là où ils vont habiter, quand est-ce que nous allons nous marier et quand est-ce que nous aurons des enfants. Jésus dit, c'était la préoccupation de ceux qui vivaient au temps de Noé. Mangeant et buvaient, mariaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il dit, il ne savait pas. Jusqu'au moment où le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même. Cela était arrivé par surprise. Et tous périssaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivaient pas pour toute autre chose, d'autres choses. Ils ne parlent pas de leur iniquité ou de leur péché ou de leur mal. Ils parlent de leurs préoccupations. Voyons la condition des choses au temps de Noé. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 1er. Il arriva quand les hommes commençaient à multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. C'est ce dont Jésus parlait. Il dit, les hommes de ce monde, au temps de Noé, tout ce qui pouvait, ce à quoi peut penser, c'est chercher une fille, une belle fille, et se marier, c'était un foyer. Trouver un homme, un beau garçon et se marier, c'était un foyer. C'est ce à quoi pensait. Et si vous voyez autour de vous aujourd'hui, quand vos peuples viennent à l'église,
Pourquoi, quel est leur sujet de prière, leur sujet, leur requête de jeûne et prière? Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent religieux dans leur zèle et presque même fanatique, comme s'ils recherchent le Seigneur? Ils ne le font pas pour sa gloire. La plupart du temps, ils le font pour ce qu'ils peuvent avoir. Et le Seigneur dit, verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Le Seigneur leur a dit, il y a une limite. Marier, se marier et marier ses enfants, buvant et mangeant, il y a une limite. Vous former et avoir un emploi, ça, il y a une limite. Il y a une limite à toutes ces choses dans votre vie. Il y a une limite que vous pouvez parvenir parce qu'il y aura un temps où le mariage ne sera plus profitable. Il y a un temps qui vient où le travail ne sera plus utile. Un temps viendra où les choses matérielles dans ce monde vont manquer. Et il dit, il continue à dire au verset 4, il dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Hommes de renom, fameux, il y a plusieurs. Aujourd'hui, tout ce qui peut penser, mon enfant, mes enfants vont à l'université, ils ont une profession, mes enfants, ils ont ceci, cela. C'était leur préoccupation en ce moment. Et il dit au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils ne pensaient pas de la justice, ne pensaient pas comment chercher la face du Seigneur afin d'être sauvés, afin d'avoir la vie éternelle, afin d'avoir la grâce de Dieu dans leur vie. La repentance était hors de leur pensée, la justice n'était pas trouvée dans leur cœur. Vivant selon par la grâce de Dieu, vivant par selon le plan de Dieu, hors de la vie. Voici ce verset 5 encore. L'Éternel vit. Qu'est-ce que Dieu a vu dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu voit dans votre famille aujourd'hui? Dans votre voisinage aujourd'hui? Et Dieu vit, l'Éternel vit, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Le monde va s'empirant. La justice est absente. La sainteté est absente. Même comme vous allez de lieu religieux à l'autre, vous verrez qu'il n'y a plus de justice. La grâce pour vivre dans la piété n'est plus là. Et ce que Dieu vit en ce moment, est-ce qu'il voit aujourd'hui? Mais n'allez pas loin. Voyez dans votre propre cœur, dans votre propre environnement, voyez dans votre propre famille et voyez dans votre propre communion, dans votre condition spirituelle. Peut-être que vous êtes religieux. Est-ce que vous êtes juste? Peut-être que vous allez à l'église. Oui. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous menez la vie qui montre que vous êtes prêt pour le retour du Seigneur? Et Dieu, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Pourquoi? Parce à cause de ce que l'objectif de la création n'était pas accompli. Il a créé l'homme afin que l'homme puisse soit comme lui, vivre comme lui, pense comme lui, agisse comme lui, afin que sa vie, son comportement, son attitude, sa conduite soit juste et sainte. Et puis, parce que il a créé l'homme à son image, mais l'homme est allé à de l'autre côté. C'est pourquoi, c'est ce que vous trouvez aujourd'hui. Vous trouvez des gens autour de vous, peut-être que c'est vous-même, que vous ne vivez pas selon ce que Dieu veut pour vous. C'est pourquoi le jugement est venu sur eux. C'est pourquoi le jugement vient aujourd'hui. Et vous voyez, Dieu, l'Éternel, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens. Il a regretté. Il dit, je me repens de les avoir fait. Mais Noé trouva grâce
aux yeux de l'Éternel. C'est ce que nous avons, ce dont nous avons besoin ce jour. Si nous voulons nous préparer pour le retour du Seigneur, nous avons besoin de cette grâce. La grâce pour le salut. La grâce pour une vie sainte. La grâce pour la justice. Une vie juste. La grâce pour la sanctification. Il purifie nos cœurs. Il rend nos cœurs aussi. Il rend nos cœurs à son image. Il nous rend à son propre image. Tel qu'il veut que nous soyons. Comme lui-même. C'est cette grâce dont nous avons besoin aujourd'hui. Pour être prêts pour le retour de Christ. Le retour du Seigneur. Le retour de notre Sauveur et notre Seigneur. Nous voyons dans Luc. Ça, c'est le commerce. Si vous voyez, la situation commerciale aujourd'hui, tout le monde, c'est comme si c'était la seule chose. La montée du dollar et la chute des monnaies locales, vous voyez tout cela. Nous recherchons cela à chaque fois. Nous pensons au marché, nous pensons à nos affaires, à nos commerces, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et comment faire la course avec les gens du monde et être au sommet du commerce. Il dit, il mangeait, buvait, achetait, vendait, plantait et bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Est-ce que vous avez conscience de cela? Dans toutes ces situations, si vous avez remarqué, dans tous ces événements, avez-vous remarqué, dans toutes ces choses historiques que Jésus-Christ était en train d'illustrer, très peu étaient sauvés. Très, très peu avaient échappé. Mais la majorité avait péri dans le déluge, péri dans le feu de déluge, le feu, j'allais dire, de Sodome et de Gomorre. Jésus-Christ dit, ainsi sera-t-il au temps du retour du Seigneur. Ça peut sembler que la majorité fait ceci, la majorité est en train de pécher, la majorité, bien qu'ils soient religieux, ils vivent dans le péché. On peut penser que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Tous ces gens vont tous périr si Christ vient au retour de Christ. Tout cela sera laissé de côté. Dès que Christ reviendra, mais le peu sauvé, le peu juste, le peu qui est saint, mais le peu qui a le cœur complètement attaché au cœur, aux pensées du Seigneur. Le feu vint sur eux et fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ça, c'est les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il y aura des rétrogrades. Des gens ont pensé qu'ils pouvaient échapper. Des gens ont pensé, ils sont des anges. Ils ont vu la révélation, ils ont entendu la parole de Dieu. Ils savaient que le jugement viendra. Ils ont entendu la parole, l'avertissement. Ouais, cela. Ne regarde pas derrière toi. Échappez à la montagne. On va montrer cette histoire. Genèse chapitre 19. Parce que Jésus-Christ a dit, lisez l'histoire, voyez l'histoire, et analysez l'histoire, ce sera exactement ainsi quand Christ reviendra. Elle nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Genèse 19, verset 1er. Il dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Deux anges sont venus à Sodome le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome.
Et quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, après cela, les saluant, les souhaitant la bienvenue, les a invités dans sa maison, les a dit non, nous sommes ici en tant que nous avons une tâche à accomplir. Ce que le Seigneur nous a donné à faire, mais les a persuadés à rester avec lui dans sa maison. Verset 4, dans sa maison, il dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Voyez, ils appelaient Lot et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. C'est là où se trouve, c'est là où le monde, l'homosexualité a démarré. Le sodomite, c'est ça. Les anges sont venus et ils sont des hommes. Nous voulons les connaître. Ils veulent les suyer. Et Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il plaidait avec eux. Ne faites pas de telles mauvaises choses. Mais ils étaient attachés à faire le mal. Comme des gens d'aujourd'hui. Voyez maintenant cela au verset 9. Verset 9. Ils dirent, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, il faisait violence sur Lot. Il s'avançait pour briser la porte. Tellement courageux pour attacher, vous voyez. Toucher, poursuivre ces hommes, ces anges qui semblaient être des hommes, mais c'est d'ici dit. Les hommes, étendirent, ça c'est les anges, étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour retrouver la porte. Si vous savez, ils étaient tellement même attachés à faire le mal. Voilà la dernière partie du verset 11. De sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Vous voyez, ils voulaient toujours chercher, chercher toujours la porte. Le jugement était venu. Même avec ce jugement, avec l'aveuglement qui était venu sur eux, ils cherchaient toujours la porte pour suivre ces anges. C'est ça. Vous voyez comment méchants sont-ils? Est-ce que ça nous dit? Comme c'était au temps de Lot, ainsi sera-t-il au temps de l'arrivée du Fils de l'homme. Les seront tellement attachés à faire le mal. Même quand ils verront le jugement du Seigneur venir comme cela, ils seront le désir de faire le mal. Verset 15. Dès que le matin, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi. Prends ta femme et tes deux fils, tes deux filles, je l'ai dit, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il t'a dit, ouais, ça c'est des anges puissants, ils pouvaient facilement frapper ces sodomites par l'aveuglement. Ils savaient qu'ils sont venus du Seigneur pour détruire le lieu. Donc, il y avait donc. Et pourtant, il traînait encore. Malgré tout cela, donc les anges le saisissent sa mère, saisissent la mère de sa femme et de ses deux filles. L'Éternel voulait l'épargner. Il l'amenait et le laissait hors de la ville. Et après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Voilà les croyants, on leur disait, le danger est toujours là, ils doivent se préparer, ils doivent s'apprêter, échapper pour ne pas être consumés dans le feu
qui vient sur les incrédules, les pécheurs. Ne regarde pas en arrière. Souvenez-vous, Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi as-tu dit cela? Voilà le verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Elle pouvait sauver, mais elle périt. Elle pouvait échapper, mais elle ne pouvait pas échapper parce que Sodome était dans sa pensée. Tous les trésors de Sodome, tous les plaisirs de Sodome, tout le mal de Sodome, toutes les pêtes de Sodome, tous les amusements, sensualité de Sodome, toute immoralité de Sodome, toutes les choses de clos, le bois de nuit de Sodome, les mauvaises choses de Sodome. À cause de cela, elle regarda en arrière. Jésus dit, ainsi sera-t-il au temps de l'arrivée du Fils de l'homme. Et il nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Il y a plusieurs qui aiment tellement le monde, ils aiment tellement les choses de ce monde, que même s'ils entendent le son de la trompette, même s'ils entendent l'avertissement venir, même s'ils entendent que ça c'est si très dangereux d'aimer le monde ou des choses du monde, ils sont tellement attachés au monde. C'est difficile pour eux de briser cela, de rompre cela. Je prie que le Seigneur, en ce moment, soit compatissant envers chacun de nous au nom de Jésus. Et il va ôter nos pensées, nos cœurs, loin du monde. Tout ce qui va nous empêcher d'être prêts. Dans Jacques chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, la communion du monde, l'interaction du monde, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Lot, à la femme de Lot, et elle périt. C'est pourquoi le Seigneur nous donne l'avertissement aujourd'hui. Préparez-vous. Le monde est mauvais, méchant. Le monde est pécheur. Et seuls ceux qui vont sortir de cette méchanceté du monde, ceux-là seulement seront sauvés et seront échappés. Ils vont seront secourus au dernier jour. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même. Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même. S'il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'avertissement. Mais il a averti ses disciples. Et cela aussi est pour son église aujourd'hui. Prenez garde à vous-même. Il a averti chaque croyant aujourd'hui. Ceux qui ne pensez pas au monde pour vous oublier, que vous allez un lieu où aller. Et si vous êtes tellement attaché aux choses du monde, emballé dans les choses du monde, amitié dans le monde, il nous avertit. Et il donne l'avertissement clairement. Il dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent. Le temps, n'importe quel moment. Quel moment manquer l'attention ou être négligent, où le monde viendra, sera très proche de vous. Vous allez même oublier. Quand ce sera-t-il, où les choses autour de vous essayeront de vous détourner des choses spirituelles. Il dit, à tout moment, votre cœur ne s'apesantisse par les essais du manger et du boire et par les soucis de la vie. Les soucis de la vie peuvent vous amener à oublier que vous êtes sur la voie vers le ciel. Souci de la vie vont vous amener à oublier que quiconque est l'ami du monde est ennemi de Dieu. Les soucis de ce monde, de la vie, ces choses vont vous amener à vous rendre charnel, vont tuer votre âme, votre esprit, votre âme, votre cœur, et vont vous amener à ne pas être prêt pour le retour du Seigneur. De crainte que les soucis, pas les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Oui, il dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux
qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Apocalypse chapitre 18. Le ciel nous invite à cause de ce comment elle de la nature du monde, pécheur, sensuel, mal, immoral, pouvait pas rester dans le monde, d'accorder avec le monde, marcher avec le monde et réussir et aller au jour final participer à l'enlèvement. Apocalypse chapitre 18 verset 4, il dit: et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous êtes sauvés? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Hors de ces boîtes de nuit, sortez. Hors de la livrerie, sortez. Hors de la fornication, de leur adultère, sortez. Hors de leur sortez ou la corruption, leur le fait de payer les pots de vin, sortez. L'idolâtrie, de l'occultisme, sortez. Ils disent sortez. Or, de l'habillement selon le monde, manger comme eux, s'habiller comme eux, faire comme eux, ils disent sortez. Or, de leur société secrète, ils disent sortez. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Ces péchés sont si grands, si nombreux et si grands, divers. Même pas citer les cités. Il dit, ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et pour que tu échappes, le jugement qui viendra sur ceux qui sont dans le monde, quand Christ reviendra, tu dois sortir du monde, et pour entrer dans le salut du Seigneur. Point numéro 2 maintenant, la vigilance et la préparation pour le retour de Christ. Vous savez, Christ revient, et nous savons, nous connaissons la condition du monde. Quand Christ reviendra, nous devons nous préparer. C'est pourquoi nous devons veiller. Matthieu 25. Le Seigneur nous a, Jésus lui-même, qui a prophétisé son retour, qui a promis son retour. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui nous a rappelé à ses disciples que ce monde ne sera pas la fin de toutes choses. Que Christ reviendra. Il reviendra. Il va prendre son peuple. Il enlèvera, il les a avertis, il les a préparés, il les a appelés à la vigilance. Il t'appelle, il m'appelle à la vigilance aussi, afin que nous soyons prêts et au temps de son retour. Et il nous dit, vous avez des oreilles à entendre, que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Je prie que tu aies les oreilles pour entendre. Je prie que tu aies les oreilles pour entendre. Va veiller et tu seras prêt au nom de Jésus. Matthieu 25, je vous lis au verset 1er. Matthieu 25, verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ils croyaient à la doctrine que l'époux allait venir. Il y a plusieurs, c'était pas assez. Il y a plusieurs qui croient que le Seigneur reviendra de façon doctrinale. Mais ce n'est pas assez. La vigilance est nécessaire. La préparation est nécessaire. La préparation est nécessaire. Il dit au verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Ils attendaient tous le... Est-ce qu'on peut attendre le retour du Seigneur et être folle? Est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut croire que le Seigneur revient et être folle? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu, que Christ revient et être toujours folle? Est-ce qu'il nous dit? Il dit, 5 d'elles étaient sages et 5 folles. Il nous dit, au verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Pensant, ça c'est la grâce qui nous sauve. Parlant de la grâce qui nous sauve, qui nous sanctifie, la grâce qui met l'huile, l'onction du Saint-Esprit sur nous,
l'huile qui nous, la grâce qui nous prépare, l'huile qui nous prépare, que notre vie soit brillante, éclatante. C'est folle, on prie les lampes, la lampe de profession, je suis chrétien, chrétienne, je suis membre de l'église, je vais au ciel, je crois que Christ revient, je crois que le ciel est réel, je crois que l'enfer est réel, je crois de façon doctrinale, mais non pas l'expérience qui va les purifier, les qualifier pour être prêts, ces quatre, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les sages, c'est ceux qui disent, je sais. Si un homme ne naît de nouveau, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et s'en est de nouveau. Les sages, c'est ceux-là qui disent, je sais, rechercher la paix avec tous. Et la sanctification à laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Et ils sont préparés et ils se sont rendus saints. Ce sont ces saints. C'est ceux qui disent, heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu, et ils veulent le voir, quand ils reviendront, quand il reviendra. Ils se sont rassurés. Ils s'assurent qu'ils sont prêts pour le retour du Seigneur. Verset 5. Il dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Souvenez-vous, c'est Jésus qui a s'éloigner du péché, pas assez de grâce pour avancer dans la force du Seigneur et être un vainqueur, pas assez de grâce pour tenir saint, juste, saint et irréprochable, irrépréhensible jusqu'au retour du Seigneur. Donnez-nous d'huile car vos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Nous ne pouvons pas partager le salut même avec la personne la plus proche de nous. Le salut que nous avons, c'est seulement assez pour nous. Nous ne pouvons pas partager la sainteté, l'expérience de la sainteté avec la personne la plus proche de nous. L'esprit de la sanctification, c'est seulement assez pour vous. Pour ne pas partager cela avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre, c'est assez seulement pour vous. Pour ne pas partager la puissance, l'autorité pour vaincre le diable, pour vaincre le péché avec quelqu'un d'autre. Vous allez sortir pour l'avoir pour vous-même. Pour l'avoir au moment opportun. Avant qu'il ne soit trop tard. Et pendant qu'ils allaient. Le pouvin, voyez ceux qui étaient prêts, Ils étaient prêts parce qu'ils étaient sauvés, prêts parce qu'ils étaient justes, prêts parce qu'ils étaient saints, prêts parce qu'ils avaient rempli les conditions que Christ revient. Voyez, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Voyez, invoquez-le pendant qu'il est. Il est prêt que le méchant abandonne sa voix, sa méchanceté, et que le juste et que l'injuste, ses péchés, ses iniquités, et qu'il retourne à l'Éternel qui pardonnera. Verset 11, il dit, plus tard, les autres vieilles vins, les folles,
celle qui n'était pas prête, ce qui n'était pas prêt, dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. N'est-ce pas les rétrogrades, je ne vous connais pas. N'est-ce pas ceux qui sont dans le corridor de l'église, ils sont très loin, je ne vous connais pas. N'est-ce pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, mais n'ont pas le salut authentique, je ne vous connais pas. N'est-ce pas ceux-là qui ont entendu du retour du Seigneur, mais oui, ils ne sont pas préparés, ne préparent leur cœur, je ne vous connais pas. Mais n'est-ce pas ceux-là qui connaissent la Bible, ils connaissent même les versets bibliques, mais n'ont pas l'expérience que la Bible a dit que nous devons avoir. N'est-ce pour les préparer pour son retour, Jésus dit, je le dirai, je ne vous connais pas. Voilà la conclusion, verset 13. Veillez donc, veillez donc, veillez donc. Puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, il en sera. Oui, ni l'heure, ni le jour. Il nous appelle à la vigilance. Il nous dit que nous devons être prêts, nous préparer. Qu'est-ce que nous apprête, qu'est-ce que nous prépare? Jean, chapitre 3, verset 3. Jean 3, verset 3. Jésus répondit et dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ici, si nous voulons être prêts, nous devons naître de nouveau. Si nous ne voulons pas être comme ces folles vierges, nous devons naître de nouveau. Si nous ne voulons pas être déçus au séjour final, il doit y avoir cette nouvelle naissance, devenir une nouvelle créature, un changement total, complet, venant sur votre vie, votre cœur, votre âme, devenir une nouvelle personne que vous étiez avant. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ceux qui sont charnels ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui continuent de s'impliquer dans l'œuvre de la chair ne sont pas nés de nouveau. Parce que, ouais, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si cela n'arrive, comment le verrez-vous à ce jour final? Nous voyons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, la vigilance et la préparation pour le retour de Christ. Hébreux chapitre 10, lisons le verset 37. Hébreux 10, verset 37. Encore un peu de temps, pas assez de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Je ne veux pas et il ne tardera pas. Il dit Christ reviendra certainement, définitivement. Christ va revenir assurément. Il dit encore un peu de temps, très peu, très bientôt. Christ reviendra. Oui, il viendra. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et le mort juste vivra par la foi. Ceux qui vivent dans l'incrédulité, ceux qui vivent dans l'incroyance, dans l'incrédulité, ne pourront pas réussir à ce jour. Il dit, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, ce qui semble une fois sauvé, c'est que tu es sauvé déjà. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu qui dit, si quelqu'un se retire, si quelqu'un se rétrograde, si quelqu'un se retire du royaume de Dieu et retourne dans le royaume des ténèbres, le royaume du péché, le royaume du mal, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui se retirent dans la rétrogradation, ils vont dans la perdition. Mais il dit, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il nous dit dans Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, lisons le verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il nous dit quoi ici? Que si vous vous donnez à
à la désunion, à la vigilance, à la lutte dans votre vie. Vous ne recherchez pas la paix. Vous ne recherchez pas, le Seigneur. Si tout ce que ce à quoi vous donnez, c'est des débats, des discussions, des disputes contre les doctrines de la Bible, contre la parole de Dieu, contre la voix du Seigneur, vous ne recherchez pas la paix. Et quand il reviendra, vous ne serez pas prêt. Comment faire pour être prêt? C'est régler ces conflits rapidement, régler ces disputes rapidement, et corriger tout cela, et rechercher la paix. Ce n'est pas assez, et avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il dit que nous devons être saints. Le péché n'est pas saint. Il a besoin de la conversion. Le rétrograde n'est pas saint. Il a besoin de la restauration. Et l'homme charnel qui va à l'église, retourne, il est tout charnel, toujours méchant, ne peut pas dire qu'il est ici ou là. Il n'est pas saint. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur quand il reviendra. Tu veux donc voir sa gloire quand il reviendra. Voici ce qu'il faut faire. Voici comment se préparer. Voici comment être prêt. C'est de rechercher la paix avec tous. Pas avec un peu quelques personnes. Et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume. Ouais, afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu qui vous maintient juste, saint, apprêté et centré sur le retour du Seigneur. Il dit qu'aucune personne, que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, racine d'animosité, qu'aucune racine de malice, aucune racine de colère, aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Ce qu'il n'y est ni impudique ni profane, comme Esaü qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Il y a des gens qui comptent des choses précieuses mon cher, qui voit le salut, mon cher. Il méprise la vie éternelle. Il voit leur droit de naissance. Ils peuvent donner cela à tout prix, à petit prix, le prix de repas, au prix de repas, au prix d'un emploi, au prix de dons, au prix d'avoir un mari, au prix d'avoir une femme, au prix d'avoir des enfants, au prix d'avoir la guérison, au prix. Il compte la vie éternelle moins cher, comme si il dit, je veux ceci, je dis cela, et à cause de la pression, de ce besoin dans la vie, et comme ça a eu pour un morceau de repas, un mai vendit son droit d'aînesse. Mais vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ça nous dit quelque chose. Oui, pleurer, verser les larmes ne prouve pas seulement le. Ça peut être les larmes de regret, d'avoir découvert le mal, la honte, le reproche qui est venu sur votre vie. Ça peut être les larmes aussi. Maintenant, vous êtes disgracé. Parce que vous êtes disgracé, vous êtes. Vous avez un genre, vous êtes. Trompé, vous êtes trompé. C'est pourquoi vous avez vu que vous avez pleuré. Pas parce que vous voyez ce fardeau que c'est un péché et vous devez vite vous relever. Mais dit comme ça a eu. Vous savez que voulant même obtenir cela, il fut rejeté. Pourquoi? Parce qu'il l'a sollicité avec l'âme en main. Il ne peut pas rester parce que quand son repenti ne put avoir aucun effet. Luc chapitre 12. Ceux qui ne sont pas prêts et ceux qui ne serons pas vigilants. Le Seigneur nous dit toutes ces choses afin que nous soyons prêts. Je prie que tu sois prêt au nom de Jésus. Luc 12, verset 15. Il dit au verset 15. Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Telle personne a ceci, je dois l'avoir. Telle personne a reçu, je dois réussir. Telle personne a ce grand salaire, je dois l'avoir. Cette personne a ceci, cela, cette position dans la vie, je dois l'avoir.
Jésus-Christ a dit, tu peux oublier le retour du Seigneur. Tu peux oublier comment te préparer et lutter pour des choses et pour d'autres choses. Il dit, prenez, donc gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Plus de maisons, plus de choses, de propriétés, plus de diplômes, plus de vie, plus de voitures, plus d'argent, beaucoup d'argent, quelle que soit la chose, de telle vie ne consiste pas. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Cela peut devenir esclave à l'argent, esclave à la possession, esclave à ces choses matérielles, au point où les choses que tu as ont pris la place. Ouais, la cupidité ou ceci à cela. Il dit, prenez garde de la convoitise, car la vie de l'homme ne consiste pas, la vie ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. L'était d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Et voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Si tu es la personne qui bâtit. Tu as bâti l'autre là-bas, c'est pas assez. Tu as bâti un autre là-bas, c'est pas assez. Tu as des sociétés. Il y a besoin d'une autre société là-bas. Tu as des propriétés ici, c'est pas assez. D'avoir cette propriété encore, c'est pas assez. Tes préoccupations dans la vie, tes concentrations dans la vie, c'est ajouter des choses à choses. L'autre, il dit, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup. Dieu n'est pas dans son cœur. La pensée de Dieu n'est pas là. Préparation du retour du Seigneur n'est pas là. Il pense que tout va durer pour toujours. Mais il va tout quitter un jour, tout laisser un jour. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Combien sont ces années? Il pense qu'il va vivre pour toujours. Plusieurs années. C'est comme si c'est ce à quoi plusieurs pensent aujourd'hui. Ne pense pas que la vie va jamais te prendre fin. Ne pense pas qu'il y a quelque chose, il n'y a pas à se préparer pour le retour du Seigneur. Et même en venant à de telles réunions, il peut avoir ceci encore, ceci, cela. Et se remercier, j'ai ceci, c'est une mission. Je vais encore ceci, cela. Quand est-ce que tu vas te préparer pour le ciel? Quand est-ce que nous allons préparer? Tu vas te préparer pour le retour. Prépare ton âme pour le retour du Seigneur. Tu as ces choses en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, l'insensé. Qui est l'insensé? Celui qui a la sagesse pour s'amasser de biens terrestres peut être un insensé. Sagesse assez pour avoir plusieurs diplômes peut être aussi un insensé. Celui qui a la sagesse pour s'amasser, pour susciter des affaires, même au-delà de son pays, ça peut devenir un insensé. Celui qui a des arguments commerciaux pour avoir ceci, même si dans cette génération où tout semble être à terre, je peux me susciter de nouvelles affaires. Celui qui a de telles pensées peut être un insensé. Dieu dit, insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, nous avons besoin d'être préparés, de nous préparer. Chapitre 12, toujours, verset 34. Au verset 34, il dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. N'y a-t-il pas ces choses ici que vous appréciez? Pour ne pas les abandonner, pour ne pas les consacrer au Seigneur, votre pensée sera là, votre cœur sera là. C'est comme si même si Dieu dit,
Et prêt maintenant pour le ciel, là, venez, oh Dieu, pardon, ne m'enlève pas encore. Je veux juste ceci, cela d'abord. Il dit, quand vos trésors, là-haut, vos trésors sont, c'est là où sera votre cœur. Oui, c'est ce qui peut retenir du retour du Seigneur. Il dit, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Afin, il reviendra des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Et il nous dit qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Cela parle que cela soit la nuit ou 3 heures du matin. Heureux ses serviteurs s'il les trouve veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est la conclusion. Ce que Dieu croyant, ce qui te dit, il dit, réveillez-vous et tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. Préparez-vous. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 15. Nous appelons à la vigilance et à la préparation. Apocalypse 16, verset 15. Voici la parole du Seigneur. Qui pourront venir contre votre vie et être comme être ainsi jusqu'à son retour. Nous voyons maintenant point numéro 3 maintenant. Le merveille de la préparation pour l'enlèvement de l'église. La préparation, le merveille de la préparation de l'enlèvement de l'église. La parole nous a dit clairement que comme Enoch fut enlevé, comme Élie a fut enlevé dans la chair de feu sans traverser la mort. Ainsi, l'église pour laquelle Christ est venu, et au temps de l'enlèvement, l'église sera enlevée de ce monde sans traverser la mort. Mais nous dit, nous devons être préparés pour cela. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance pour ne pas savoir ces choses concernant ceci. Mais ici, voici une seule chose que vous devez savoir. Voici une chose
dont vous devez être sûr, comme frère, soeur, comme enfant de Dieu, dans la famille de Dieu. Mais frère, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il nous dit qu'il y aura une résurrection des morts quand Christ reviendra. Il dit, Dieu va ramener ceux qui dorment, ceux qui sont morts, et ils sont morts en tant que de véritables enfants de Dieu. Quand Christ reviendra, Dieu va les ramener en vie avec Christ. Et il nous dit, verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Il nous dit qu'il reviendra. Il y a certains d'entre nous qui vont rester en vie. Et ils vont rester en vie jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ce que le retour du Seigneur n'a pas précédé ou l'empêché ceux qui dorment. Mais le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, ceux qui sont morts, mais sans Christ, qu'ils sont morts, ils seront ressuscités premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quelle chose glorieuse de rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est la merveille de la chose. Quand Christ reviendra, si vous êtes prêts, c'est la chose merveilleuse. Quand Christ reviendra, vous êtes sauvés. Vous devez être sauvés. Sanctifiés. Vous demeurez sanctifiés. Vous recherchez la paix avec tous. Vous recherchez toujours la paix avec tous. Vous ne permettez à aucun conflit de venir dans votre vie. Permettez à aucune source d'amertume, de malice ou de colère de s'installer dans votre cœur. De certains d'entre nous qui sont prêts du retour du Seigneur seront toujours avec le Seigneur, dit consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il nous dit dans Matthieu chapitre 24, après l'enlèvement il y aura la grande tribulation. Ceux qui ont manqué l'enlèvement vont connaître la grande tribulation. Quelle souffrance, quel trouble, quel péril, quel mal qui vont traverser. Le merveille de tout merveille, si vous échappez à cette grande tribulation. Merveille de tout merveille, si cette grande tribulation ne vient pas sur votre vie, sur la terre. Matthieu 24, verset 21. Il dit au verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y après l'enlèvement de l'église, après que ceux qui sont prêts, les singes, les vieilles sages vieilles, ceux qui sont justes et saints, ceux qui sont purs et pieux, ceux-là, après qu'ils aient été enlevés et pour toujours avec le Seigneur, il y aura la grande tribulation comme cela n'a jamais été depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne, ça c'est parmi les Israélites, ne serait sauvé. Mais à cause des élus, les Israélites, les Juifs, les élus de Dieu, ces jours seront abrégés. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ. Des religions vont se soulever. Des gens vont réclamer qu'ils sont aussi Christ. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est peut-être possible, même les élus. Si votre pensée est sur la guérison, seulement sur le miracle, seulement sur les signes des prodiges, vous pouvez facilement être trompé, déçu. Il y aura qui seront déçus au jour final quand nous préparons, nous approchons du retour du Seigneur. Y a-t-il miracle là-bas? Y a-t-il des merveilles là-bas? Y a-t-il ceci, cela? Et ils courent.
ils ne se préparent pas pour le retour du Seigneur. Et je dis, verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Il dit, prenez garde, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Maintenant, nous référons à l'avènement de Noé. Retournons à Genèse chapitre 7. Comment cela est arrivé en ce moment? Et Jésus dit, au même moment, cela arrivera de façon exactement comme cela est arrivé. Genèse chapitre 7, verset 1er. Genèse 7, nous voyons le verset 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Il y en a ceux qui ont manqué, ceux qui n'ont pas péri dans le déluge. C'est ceux-là que Dieu avait trouvé juste dans cette génération. C'est ici dans notre génération, ceux qui vont échapper à la grande tribulation, ceux qui vont seront enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ et qui vont échapper à la grande tribulation, c'est ceux-là que Dieu a trouvé juste dans cette génération. Et après, Noé entra dans l'arche, après qu'il entrait, verset 16, après son entrée dans l'arche, verset 16, il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. L'Éternel ferma la porte sur lui. Le temps de grâce pour le reste des gens avait pris fin. Le temps de chercher la face du Seigneur n'était plus. À cause de ce que cela n'était pas sage. N'était pas sage au salut. N'était pas sage à la préparation. N'était pas sage à se préparer pour le retour du Seigneur. Ceux qui étaient prêts entraient dans l'arche. Le Seigneur ferma l'arche. Et Dieu dit, cela va arriver exactement tel que cela est arrivé. C'est pourquoi vous devez vous examiner. Est-ce que vous êtes prêts? Vous devez vous examiner. Est-ce que vous êtes préparés pour le retour du Seigneur? C'est pourquoi vous devez vous examiner. Est-ce que vous êtes juste ou vous êtes sans reproche? Est-ce que vous êtes obéissant à la parole de Dieu? Comme le Seigneur vous a-t-il? Est-ce que le Seigneur vous a-t-il trouvé juste dans cette génération? Que dès que la trompette va tonner en ce moment-même, vous saurez par la grâce de Dieu que vous êtes prêts. Qu'il vient et ceux qui sont sauvés, rendus saints, justes et marchent dans la justice, dans le privé comme dans le public, partout et à tout moment, c'est ceux-là qui vont échapper au jugement pour aller avec le Seigneur. 1 Jean 3, 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Voyez, quel genre d'amour le Père a déversé sur notre vie, afin que nous soyons appelés fils de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais ceux qui croient en son nom, quelle merveille, quelle chose merveilleuse. Quelle chose merveilleuse. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, si le monde ne nous connaît pas, le monde n'est pas ami à nous. Nous ne sommes pas amis au monde. Non, si le monde ne nous connaît pas, ne participons pas à leur festivité, ne participons pas à leur idolâtrie, ne participons pas à leur plaisir secret, ne nous reconnaissent pas, ne nous apprécient pas. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si vous êtes connu par le monde, accepté par le monde, apprécié par le monde, reconnu par le monde, élevé par le monde, honoré par le monde, c'est pas sûr que vous êtes prêt. Si le monde, vous êtes ami au monde et le monde est votre ami, si le monde vous reconnaît, vous reconnaissez le monde, si le monde vous apprécie et vous appréciez le monde, si c'est comme si vous êtes en eux, ils sont en vous, il dit, vous n'êtes pas prêt. C'est ceux qui sont prêts, c'est des gens qui dans le monde dit, mais c'est quel genre de personne ici? Et loin du monde, vous n'êtes pas, vous ne participez pas à ce monde seulement, mais il dit, le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Mais nous savons que ce n'est pas de son retour, son retour, son arrivée. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est la merveille, la résurrection. Le cœur ressuscité sera comme un corps glorifié. Nous le verrons. Il dit maintenant, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Pourquoi? Parce que nous voulons le voir. Pourquoi est-ce que nous demeurons saints? Parce que nous voulons le voir. Pourquoi est-ce que nous naissons de nouveau? Pourquoi est-ce que nous naissons de nouveau? Pourquoi est-ce que nous avons la nouvelle vie? Pourquoi est-ce que nous maintenons cette nouvelle vie? Que cela soit dans le secret ou dans le public, parce que nous voulons le voir. Quand il va apparaître, pourquoi est-ce que nous sommes sanctifiés, sauvés et demeurons dans cette justice cet été? Parce que nous voulons le voir. Quand il va apparaître, nous sommes membres d'une dénomination particulière. Parce que nous sommes dans une église particulière, spéciale, une mauvaise. Il y en a qui ont une mauvaise idéologie, comme je suis dans telle église, je vais naître de nouveau. Non, pas à cause de cela. Je serai saint, je devrais être saint, pas à cause de cela. Parce que si je ne le fais pas, je ne fais pas ceci. Donc ils peuvent même me poser des questions. Non, pas à cause de cela. Parce que vous devez être prêt avant son retour. Il dit que quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, verset 7. Ce que cela vaut, ce que coûte pour être prêt. Merveille d'être prêt. La gloire de se préparer. Quand il reviendra. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Il dit, réussons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Les croyants se sont préparés. Vous devez vous préparer. Pour que cela arrive de prier, vous devez venir et vous laver dans le sang de l'agneau. Vous devez être pur. Et vous devez être rendu saint par la purification du sang de l'agneau. Marcher dans la lumière, comme lui-même dans la lumière. Et vous devez savoir que c'est la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la vérité de Dieu, c'est la connaissance de la puissance de la parole de Dieu qui vient dans votre vie et qui change tout chose dans votre vie et qui transforme votre vie. Et vous devez vous préparer parce qu'il dit, l'épouse de Christ, le peuple de Dieu, ceux qui espèrent, ceux qui veulent être prêts avant son retour, c'est ceux-là qui se préparent, de mettre tout de côté, abandonner tout ce qui doit être abandonné. Regardez votre vie, considérez votre vie, voyez les détails de votre vie. Quelle est cette chose que vous aimez plus que Dieu? Quelle est cette chose qui est de la chair, des choses de ce monde? C'est la poursuite de ce monde qui vous devez vous en faire. Vous devez donc mettre fin à cela et chercher, prier, parler à Dieu dans la prière. Faire des supplications dans la prière et rendre ce temps un temps de supplication, pas un temps de être guéri seulement, être seulement la prospérité, mais c'est cela. Mais réellement, vous voulez l'expérience spirituelle réelle dans votre vie. Il dit, vous voyez, l'épouse a été préparée. Il continue à dire que son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres. Des œuvres justes des saints. Cela vaut quelque chose. Cela vaut tout ce que vous avez. Vous devez veiller sur votre expérience chrétienne. Vous devez vous examiner encore pour voir. Suis-je prêt à Apocalypse chapitre 22, verset 12? Apocalypse chapitre 22, verset 12. Et il dit, voici, je viens bientôt. Ça, c'est Christ qui parle ici à l'épouse. Et voici, je viens bientôt. C'est Christ qui parle à l'église. Et voici, je viens bientôt. Il veut que l'église se réveille. Il ne veut pas que l'église dorme dans le monde ou être complètement emballée dans le monde ou mort dans le monde. Et voici, je viens bientôt. Pensez aux événements qui viendront, qui auront lieu à mon retour. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour donner, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux
qui examinent leur vie. Ils ont vu des domaines où ils n'ont pas obéi au commandement du Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, je veux être prêt. Je veux me préparer quand cela, ils viennent se préparer. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Il nous amène au ciel quand il reviendra. Il dit déjà, je vais préparer une place pour vous. Et si ce n'était pas ainsi, je vous le dis. Il dit, arrivez là-bas quand je vais préparer une place pour vous. Je reviendrai vous chercher. Et je reviendrai vous chercher. Ça, c'est à la ville céleste. C'est pourquoi il dit que nous devons être prêts. Qu'en est-il si vous n'êtes pas prêts? Verset 15. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Ça, c'est l'image des personnes immorales. L'image des personnes immorales. Dehors les chiens. C'est l'image des chiens, des personnes qui résonnent comme des tonneaux vides, qui font des bruits. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, ceux qui ont des esprits familiers, ne peuvent pas le faire. On ne peut pas réussir, on ne peut pas participer à l'enlèvement s'ils ne se repentent. À moins qu'ils ne se repentissent. On dit les meurtriers, les impudiques, ça c'est les efféminés, les sodomites, c'est ceux-là qui sont adonnés à la sensualité. Il dit les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Devons nous préparer, sauver, sanctifier. Et purifié, pur, juste, pieux, prêt. Mais ceux-là qui ne sont pas prêts, c'est ceux-là qui demeurent dans le péché. Ils sont des gens qui vont à l'église, mais ils vivent dans le péché. Ils sont des religieux, mais ils vivent dans le péché. Ils disent, ils connaissent, savent que le Seigneur revient, mais ils n'ont pas été lavés, purifiés. Ils n'ont pas été affranchis de leur péché. Quand le Seigneur reviendra, ils vont manquer l'enlèvement. Il dit, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses dans la tête de l'église. Je suis la source de David. Et, vous voyez, il dit. Et que l'épouse dit, viens. L'esprit et l'époux disent, viens. Et que, viens dans le royaume. Tu peux te repentir encore. Tu peux encore invoquer le nom de l'Éternel. Tu peux encore être lavé dans le sang de l'agneau. Tu peux encore sortir de tes péchés et venir au Sauveur. L'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut. La porte est ouverte. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est disponible. La porte est ouverte. Le salut est disponible. Besoin d'être prêt à son retour et ne pas être perdu avec des gens du monde. Cette grâce, le Seigneur nous la donnera. Levons-nous maintenant et allons chercher la face du Seigneur. Dis, Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Es-tu sauvé? Rassure-toi que tu es sauvé. Es-tu sanctifié? Rassure-toi que tu es sanctifié.
Es-tu prêt du retour du Seigneur? Rassure-toi que tu es prêt pour le retour du Seigneur. Il veut que tu sois prêt. C'est pourquoi nous sommes venus à la retraite. Nous ne sommes pas venus seulement pour venir. Nous ne sommes pas venus seulement pour accomplir l'événement annuel. Nous sommes venus afin que nous soyons prêts. Ouvre ta bouche et invoque le Seigneur. Invoque le nom de l'Éternel pour que tu te prépares.